peut-être je vous ferai une vidéo un peu plus tard pour vous montrer qu'après c'est que des champs d'orangers et d'agrumes, quoi, hein, citron, pamplemousse, tout ce que vous voulez. En se rapprochant, la zone c'est Valencia. Hein. Regardez là, c'est des zones de palmeraies déjà. Là c'est des choux-fleurs. Et ouais. Et ouais, il y a une clémence du climat, il y a tout. Puis bon, quand on est espagnol, vous voyez, ils arrosent, parce qu'ici il pleut pas. Hein. Ils arrosent les choux. Je veux dire, chez nous, ils sont arrosés les choux. D'ailleurs, ils n'en plantent pas, alors ça ne sert à rien d'en planter. Hein. Voilà. Voilà le chemin, pas de croisement. Hein. Ah, c'est vrai que parce que c'est la vidéo, j'arrive pas à l'éteindre, quoi. Parce que c'est tellement magnifique. Regardez ces montagnes dentelées comme ça. De l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez. Ah ben tiens, regardez, je ne vous mens pas, il y a l'autoroute. Hein. Et puis il y a la mer au fond. Vous voyez la mer? Voilà. Et puis regardez, il y a l'autoroute là. Il y a l'autoroute là. Et puis en parallèle, il y a le TGV. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a le TGV. Le TGV et l'autoroute. Hein. Voilà. Donc ben, le trafic, ben, il se divise en deux, il se divise en trois, il se divise en quatre, et voilà. Voilà comment vous roulez tranquille, en paix. C'est un bonheur de circuler. Regardez, ils arrosent de partout. Hein. Ah, ces Espagnols, moi j'ai un puissant respect pour eux. J'ai un puissant respect propre, c'est... C'est magnifique quoi, hein. Franchement c'est pas comme chez nous. Hein. Vous voyez tous les petits oliviers qui vont vendre après chez nous. Et ouais, j'ai un profond respect pour ce pays. Malheureusement je ne suis pas espagnol. Hein. Vraiment malheureusement. Hein. Voilà. Ah, ça vous indique que voilà, donc oui, ben, il y a marqué encore 3 bandes pour 300 mètres, ça veut dire que vous pouvez faire demi-tour. Regardez, là, c'est pas mignon cette petite ferme, ah, zut, ils ont fait des... avec hein, une sorte de truc là. Regardez encore les ronds-points dans le ciel, avec les sorties, marqué rond-point, le rond-point est dans le ciel. Vous croyez pas qu'ils vont vous faire ça gratuit, non, chez nous. Vous aurez mon cul, vous aurez... Vous voyez? Vous savez ce que c'est que le cul de la France? C'est ce que vous bouffez à longueur de journée. Alors, c'est sûr que le français, c'est le plus grand consommateur soit d'alcool ou d'anxiolytique. Hein. Ben, vous le comprenez, non? Regardez, de côté, 120, 120. Même chez nous, autoroute A26, ASF, et puis tout le cinéma, là, tu payes, hein? Et même pas, ils le mettent des deux côtés. Même pas, ils le mettent des deux côtés. Non, mais vraiment, vous... Mais moi, ce que je dis, hein, chaque fois que les Français font quelque chose, ben, vous devrez rester à votre maison. Hein, parce que tout ce que vous faites, ça ressemble à rien. Vous le faites mal. Vous travaillez ben, comme les gens que vous recevez, hein, comme les blédards. Voilà. Vous travaillez comme de la merde. Pardonnez-moi, hein, il n'y a pas d'autre nom. Hein. Voilà. Ben, vous voyez maintenant, ça commence à se liquéfier un peu la circulation. Voilà. Il n'y a personne, vous voyez, derrière. Devant, hop, une voiture là, à la fois je roule tranquille. Hein. Vous voyez que les bandes elles sont sonores, hein, que chez nous il dit ouais, pour remettre les 90, il faudra remettre les bandes sonores. Hein. Ouais. Il accélère un peu, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, bon, je vais accélérer pour pouvoir le passer. Il est passé, ouais. Allez, on s'en rabat. Ah ben vous voyez comme c'est beau. Regardez, hop, vous entendez? Sur le côté, non, vous pouvez pas voir, mais bah, je vais pas le faire parce que l'autre il va se dire qu'est-ce qu'il est fou. Mais je vais essayer de vous montrer. Regardez, si jamais j'étais un peu con et que je prends le côté, écoutez comme ça va faire ma route. Regardez, entendez, vous voyez, voilà. Ça chez nous, tu peux toujours te gratter qu'il le fasse. Ah ben, vous voyez que je mens pas, hein. Je suis pas sur une autoroute. L'autoroute là, j'y passe dessus. Là, j'y passe dessus. L'autoroute, je ne peux pas vous la montrer, non, d'une pipe. Ah si, elle va être toujours pareil avec la voie ferrée du TGV là. Regardez, il y a la mer là-bas en bas. Ah, l'autoroute, elle est là, vous voyez. Elle est là. Elle est là, l'autoroute. Voilà, et moi je suis sur la nationale. Bon.
j'espère que ça vous aura bien donné envie et puis que ma vidéo, ben, vous pourrez la montrer hein, au service, la drill, la tire et tout ça. Et savoir une chose, que vraiment on se fout de votre gueule dans notre pays. Et je vais le doubler aussi. On se fout de notre gueule. On est tranquille quoi. Regardez la qualité de la route. Regardez. Là c'est une sortie pour Miami, Plaza. Ouais, c'est la Californie quoi. Là, vous avez vu un peu les bandes sonores. On ne risquait pas de. Hein? Ah, ça fait de la peine. La fontaine du vide. Aqua de Dieu, Aqua Deus. De deux côtés, il marque que c'est une deux voies, il remarque que c'est 120 des deux côtés. Voilà. Allez, je vais vous laisser là cette fois. Hein. Château de Miravette. Regardez un peu les panneaux, ça fait de la peine. De partout ils mettent les catadioptres, les balises, que chez nous les balises ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Hein. Et ouais, mes amis, on est pourris, pourris. Allez, je vous laisse là, ce truc, regardez la sortie de l'hospitalette. Voilà, le camion il sort, voilà, il ne freine pas, que ça va faire un accident. Et là il y a une sortie. Il a une sortie, il prend sa sortie. Ben, tant mieux, il y a des relais routiers et tout encore. Non? Non, c'est des zones industrielles, des trucs. Voilà, au moins, regardez même pas. Je lève le pied. Et le rond-point est en haut encore. Arc de cercle et rond-point dans le ciel. Voilà, c'est pour vous dire. Le trafic, il peut se diluer. Hein. Ah, vraiment, chez nous, c'est criminel. Hein. Vous pourrez leur dire, Jean-Jacques, il vous le dit, c'est criminel. De nous faire rouler dans les états quand vous nous faites rouler. C'est criminel. Ah, la beauté de ce sud, de cette Espagne merveilleuse. Ah, ben tiens, c'est l'autoroute qui est sur le côté. Vous voyez que je vous mens pas. Au cas où vous diriez, c'est une langue de pute. C'est une langue de pute. Non, non, je ne suis pas une langue de pute. La langue de pute, c'est tout ce qui vous gouverne en France. Et regardez comment on voit la mer. Vous voyez comment on voit la mer. Là je suis en parallèle. Vous voyez qu'il n'y a personne derrière moi. Devant moi il n'y a personne. Et là c'est l'autoroute. Vous la voyez l'autoroute avec les camions qui passent, là, les voitures, la mer. Et regardez comme c'est magnifique. En parallèle là je suis. Regardez comment je peux rouler tranquille. Vous ne voyez pas qu'ils vont nous faire ça. Pourtant c'est marqué hein, depuis, ça fait au moins 25 ans. Entre Nîmes et Montpellier, on va vous faire une alternative par une deux fois deux voies. Tu parles, deux fois deux voies. Passent leur argent à faire des lieux de culte, hein. Pour qu'on prie, je ne sais pas quel dieu d'ailleurs maintenant, hein, pour vivre mieux. Ici, on ne prie pas, ils te font vivre mieux et puis c'est tout. Ouais, je décolle un peu. Et oui, parce que de toute façon, il faut plus rien dire chez nous. Hein. Rien dire, c'est devenu une sorte de dictature. Voilà, vous serez sous Prozac, pastis 51 et voilà, et des émissions tous les soirs. Intervention des pompiers sur l'autoroute A7, intervention de la police de la gendarmerie, le peloton de gendarmerie routière sur l'autoroute A8, les fous du volant. Les arnaques sur la route, mais c'est sûr, les arnaques ici, qu'est-ce que vous voulez? Où c'est qu'il y a des arnaques sur la route ici? Voilà. Regardez, je suis tranquille, non? Il n'y a personne. Je mens ou quoi? Il y a quelqu'un derrière moi, vous voyez le rétro? Là, c'est l'autoroute sur le côté. C'est l'autoroute de l'autre côté. Pourquoi je vais payer pour rouler sur le sol? Je suis pas bien, là. Vous voyez, c'est l'autoroute, je ne vous mens pas. Pas beau ce petit pays. Alors Montpellier-Nîmes, là je suis entre Castellón et Tarragone.
Allez, je vais vous laisser parce que la vidéo va durer 1 heure, je ne pourrai pas la faire après. Je ne pourrai pas la mettre sur YouTube. Je vais faire combien il y a de personnes, vous voyez. Je vais vous montrer comment ça fait le bruit quand on prend un peu le côté. Regardez. Vous avez vu? Hop, je sors. Il n'y a personne. Hein. Il n'y a personne derrière, il n'y a personne. Regardez, je prends le côté un peu. Je veux dire, hein. Et là, c'est comme ça aussi. Regardez, si je prends là. Vous avez vu un peu? Voilà. Ça, c'est des routes bien faites. Il n'y a personne. Je remords. Là, regardez. Je veux dire. Regardez comme c'est pas beau, ça. La mer. La mer, les montagnes. Hospitalet de l'Enfant, National 340, vous voyez, je suis sur la National 340. C'est le stress, hein, je vous le dis, franchement, là, je fais le Montpellier-Nîmes, c'est le stress. Ah ben voilà, la 340, voilà, il y en a deux, là, d'un côté et de l'autre, alors la Castellion, voilà, il faut mettre là pour aller à Castellion, parce que vous voyez, c'est bien fait, bien à l'avance. Hein. Ceux-là, ils vont à droite, c'est, je sais pas, une voie de service, c'est marqué. Castellion, voilà, ça redevient la 3. Ils ont arrêté la 2x2 voies. Comme ça, ben, vous aurez vu le truc dans son intégrité, quoi. Hein, que Jean-Jacques, c'est pas un menteur. Celle-là, ni de l'autre côté, vous pouvez pas tourner, il y a double ligne continue avec 4 adopteurs au milieu et sonore. Hein. Je veux dire, c'est sérieux. Hein. 90. Hein. C'est sérieux, ça fait de la peine. Ouais. C'est des gens sérieux et c'est tout. Hein. C'est des gens normaux, quoi. C'est nous qu'on n'est pas normal. Bon, allez, je vais vous laisser là. Me décontracter un peu et arrêter de marmonner comme ça et me régaler du paysage. Voilà, voilà. Vous voyez qu'ils font bien les petits ronds-points et tout. Allez, on va mettre son clignotant. Parce que je fais le tour du truc. Regardez comme tout est propre et comme tout est bien. Voilà. Comme lui le camion, ben je fais pareil, je mets mon clignotant. Vous voyez, c'est tout. Alors là, voilà, c'est un peu comme ça parce que c'est un chantier, c'est ce qui avait marqué Obras, ça veut dire chantier ouvrage, quoi. Obras, ouvrage en latin, hein, ça se comprend. Hein. Voilà, et le panneau, vous voyez, à fond orange, comme quoi que le chantier est fini. C'est limité à 90, double ligne blanche, toujours pareil avec 4 adopteurs au milieu. Même sur la route, ils n'ont pas supprimé, hein, ce qu'ils ont. Vous voyez les trucs, c'est les téléphones là, c'est les trucs qui marquent la nationale. Bon bref. Hein. Voilà, je suis en plein stress, vous voyez, il y a du monde. Ouais, c'est sûr, il y a des routes de partout. Regardez un peu la beauté de ce ciel. Et comment voulez-vous que j'aime pas un peu cette Espagne? Regardez un peu ce ciel miraculeux qu'il y a. Là, sur le côté des montagnes désertiques comme ça, hein, c'est l'Amérique. Il y a l'indicateur du vent, il se calme, hein. Les palmiers qui sortent tout seuls dans la nature, et ouais, s'il y a une sortie, ben voilà, regardez, il y a une intersection, puis vous mettez même, vous voyez que vous pouvez faire demi-tour sur le panneau bleu, ça vous indique que vous pouvez faire demi-tour par-dessus, par le pont, regardez. Croisement, il est peint, blanc rouge. Voilà. Regardez les panneaux sur la petite nationale à l'ancienne, hein, comme il est grand. Même s'il y a un cycliste, il y a une bande d'arrêt d'urgence, le pauvre. Que chez nous, il est sur la route avec les platanes. Ah ouais, chez nous, bon.
platane, c'est même pas la peine d'en parler. Hein. Il pourrait au moins y clouer un catadioptre dessus. Hein. Que dalle, ça coûte trop cher. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Hein. Tant bien, ça va se transformer encore en deux voix ou en quatre voix, j'en sais rien. Bon, allez. Je vous laisse, il me faut un peu continuer ma route. Hein. J'arrête plus, hein, mais parce que je me régale. J'ai la route dans le sang, mais pas chez nous, hein, parce que chez nous, rouler, c'est une horreur. Hein. J'ai horreur de rouler chez moi. Je ne peux plus supporter les Français. Ils roulent, mais voilà, c'est des blédards, je vois, ça y est, je l'ai dit. C'est des blédards. Ils valent que dalle. Ils écoutent du rap dans leur voiture. Voilà. Ils valent plus que dalle. Ils roulent comme des fous. Ils sont dangereux, violents. Et ça, c'est le gouvernement qui nous a fait ça. C'est ces gouvernements qui nous tuent. C'est ces gouvernements de grosses salopes qu'on a dans notre pays. Alors, je suis sur la nationale, vous voyez. Bah, tranquille. Quelle honte. Et le Portugal, il est comme ça aussi. Hein. Il y a un tracteur là. Au moins il a de quoi s'insérer un peu sur le côté. Vous voyez que ça gênera pas trop. Et puis les gens ils mettent le clignotant. Hein. Voilà. Vous voyez, il gêne pas trop. On peut se croiser en toute quiétude. Voilà, là aussi, il vous indique par le panneau bleu que vous pouvez faire demi-tour par le pont. Voilà. Chez nous, demi-tour dans ton cul. Voilà, il y a une voie, vous voyez, de sortie. Et ouais, ça fait honte. Hein. Ça fait honte. Hein. Une voie d'accès. Bouffez-vous votre honte, ami français. Voilà. Castellón, bientôt il ne sera plus le panneau, remarquez que Valencia. Et ainsi de suite, jusqu'en bas. Voilà. Les sorties, regardez les sorties qu'il y a, comme elles sont grandes et bien faites. L'autre, il ne vient pas me coller au cul, vous avez vu? Il reste tranquille, il cruise là-bas dans son coin. Allez, station-service d'un côté, cafétéria. De l'autre aussi, station-service. Voilà, l'autre il sort, il a sa voix. Regardez quand on sort de la station-service, regardez la voix qu'il a. Ok, ouais, tranquille. Hein. Pays bien fait, mais bien sûr, il y a moins d'accidents que chez nous. Hein. Pour tourner à droite ou à gauche pour y aller. Vous pouvez pas y aller. Regardez la signalisation un peu. Petit catadioptre à tout. Vous voyez d'ailleurs si je mettais mes codes par exemple. Vous les voyez briller le catadioptre. Voilà là, contre-aller pour aller au marché des pneus, Euromaster, contre-aller. Et pour sortir de Euromaster, voilà. Hop. Tout en contre-aller. Impossible de faire le tourne à gauche ou le tourne à droite. Voilà. Vous voyez comme c'est, ça fait de la peine. Hein. Alors regardez comme c'est propre. Hein. Là, il n'y a pas de bordures qui tombent par terre et tout. Vous voyez, il ne fait pas trop nuit, mais là c'est pareil, vous ne pouvez pas tourner au milieu. Là. Ici, on roule sereinement. Voilà, vous irez tourner peut-être là, peut-être. Hein. Vous voyez les catadioptres briller un peu. Et encore, il ne fait pas nuit. Hein. Regardez, puis là ils le mettent, les routes ne sont hein, raides de caractère de l'estado. Voilà. Ici tout est à l'état, c'est pas comme chez nous. Le département, l'état il ne me donne pas assez. C'est la commune, c'est pas nous. Ah non, là c'est la commune des communes. Mais va te faire sodomiser, mon pauvre. Va te faire sodomiser, mais oui, par tout ce que tu accueilles même. Voilà, va te faire sodomiser. Pauvre bougre que tu es. Regardez, là même là, ils plantent les catadioptres par terre. Et il y en a au milieu, il y en a un peu sur le côté. Et ils font une bande. Regardez, toujours l'autre, il cruise, il est derrière, tranquille. Me colle pas au cul, comme en France, me colle au cul, on dirait que je le tire en remorque. Putain, il tombe quelques gouttes, vous voyez. Comme ça, vous avez participé avec moi à mon petit voyage.
Vous voyez comment ça sert, comment on voit quand même les bandes là. Ah, cette Espagne, elle est magnifique. Ah, j'en suis amoureux, mais mon Dieu, que je vouais mes pauvres Gaulois. Qu'est-ce que je vouais quand je vous vois, votre comportement et tout. Ah là là. Mon Dieu. Quelle pourriturerie que c'est devenu notre pays. Regardez, on vient de faire le. Là, ben ça y est, bon, la petite pluie était finie. Histoire de laver mon pare-brise, vous voyez. Hop. 70. Attention, il y a un petit rond-point, interdit de doubler. Marqué Dodane, c'était le passage. Ah mais d'ailleurs, vous voyez au fond là-bas, c'est la police qui tourne. Ah parce qu'ici, ça tourne. Hein. 40 km/h, station dans 300 mètres. Bon, d'ailleurs, il faut que je fasse gaffe parce que bon, j'ai ma caméra sur le casque, mais bon, c'est peut-être pas en odeur de sainteté chez eux hein, de faire ça. Hein. Non, elle continue là-bas. Là. Mais vous voyez, regardez, si vous voulez, vous rentrez dans cette entrée et vous allez faire votre plein. Regardez comme c'est propre, hein, mes amis. Regardez comme c'est propre. Hein. Parking, tout. De l'autre côté aussi, il y en a une. Hein. Regardez comme c'est propre. Truck stop, hein, comme en Amérique. Truck stop et tout. Et là, voilà la sortie de la station. Au lieu de mettre un stop. Hein. Regardez comme elle est longue. Et toujours pareil. Et lui, il me colle pas au cul. Il roule tranquille. Hein, il est paisible. Ben, comme moi. Moi aussi, je suis paisible. Allez, je vais couper. Cette vidéo aura fait une heure pile. Bisous, mes amis, de la part de Jean-Jacques. Je me tire de France. Bye. Malheureusement, je reviendrai. Allez, bye bye.